Salut tout le monde, c'est Diablo. Et on se retrouve aujourd'hui sur le 8ème épisode du Display de Carmageddon. Donc cette fois-ci, on va changer de véhicule, on va utiliser le deuxième qu'on a gagné la course précédente. Voilà, il s'agit du véhicule de Ed 101 qui ressemble à une Peugeot 205. Voilà, et on va jouer sur Pit Shop. Non, il a déjà joué. Ah ouais, voilà, c'est normal. On n'a pas assez de points pour passer à la course suivante, donc on va devoir rejouer une course. Donc moi je propose de jouer Fridge Racer, parce que c'est pas bien, c'est pas mal là, dans la neige. Donc hop, un petit aperçu des opposants. Donc on retrouve Scarlett avec la LaFerrari. LaFerrari S666. Cutter avec la Countach. Ah, les frères Grimm, je crois qu'on les a jamais eus. Donc eux, ils ont ce véhicule-ci. Encore eux. Alors cette fois-ci, ils vont sortir celui-ci comme véhicule. Et on retrouve celui-ci. Donc celui-ci, par contre, je vais le tuer dès le début parce qu'il a bien fait chier la course précédente. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, normalement, j'aurais pu gagner plus de points. Mais en fait, je pense que c'est pas palier les points qu'on gagne dans les courses. Et vu que j'ai fait un score assez médiocre, c'est normal que je ne gagne qu'un point au lieu de 2 ou 3, ce qui m'aurait permis de passer la course suivante directement. Donc là pareil, je refais comme notre deuxième épisode, enfin au troisième épisode. J'essaie de faire le maximum de dégâts. Donc là ça va, c'est plus simple à conduire que le dragster quand même. Même si la physique du véhicule est un petit peu différente de celle du début. Et vu que là j'ai augmenté au niveau des pièces, c'est plus simple à détruire en fait. J'inflige plus de dégâts, plus rapidement. Voilà, déjà là. Je pense qu'au début du jeu, je m'y serais pris à 2 ou 3 fois avant d'infliger ce genre de dégâts à la Ferrari. Donc le tracé change pas hein, par rapport au troisième épisode. De toute façon j'en étais sûr hein, que j'allais devoir refaire certaines courses pour avancer dans le jeu. Et moi c'est ce que j'avais fait. Et aussi après on va aussi en passer des courses hein. Certaines qui vont être passées vu qu'on aura plus trop de... On aura gagné trop de points par rapport aux points exigés pour faire les courses. Donc, il y en a certaines qui sont passées. La brochette, hop. Donc, comme on peut voir, il y en a certains qui sont allés dans les bombes. Et hop. On va le désinguer lui. Tranquille. J'ai pas loupé le troisième CP ça. On voit que c'est rectangulaire, hein, les montagnes.
joué à votre truc. Désolé, je parle pas beaucoup, mais en même temps, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Ce que j'ai mangé? Enfin, ce que je vais manger? Bon, je pense pas que ce soit très intéressant et très pertinent. J'ai amassé le maximum de points pour avoir le maximum de... Pas de points. Pour essayer de pouvoir jouer... La 8ème course assez rapidement. On peut être bloqué sans s'étendre. Sans s'il me repropose de refaire une course après qu'on a déjà faite, je la ferai tout seul en solo. Je la filmerai pas. C'est pas très intéressant de rejouer les mêmes courses. Surtout qu'on les rejouera quoi. Enfin, on rejouera les mêmes environnements avec différents tracés. Donc. Au final, c'est pas très intéressant. Donc elle est pas mal cette voiture, enfin elle est moins lourde que celle de base. Enfin, je le ressens quand je passe les petites bosses, ça sautille un peu. Ouais, on va essayer d'en dézinguer un. En plus il y a une belle brochette. Bloqué. Et boum. C'est pour ça que je suis aussi bon dans les défis d'instruction sur The Crew. En plus là c'est cible mouvante, donc quand c'est fixe, c'est un peu plus simple. C'est toi le son of a bitch. Comme je l'ai dit, hein, je ferai peut-être une vidéo sur le deuxième. Pour montrer un petit peu l'évolution par rapport à celui-ci.
faut juste que je trouve un moyen de le réinstaller. Surtout qu'il soit fonctionnel, parce que sur Seven, moi je vais tous les désinguer en fait, parce que je pense qu'on va avoir un peu mer. Hop, vas-y, passe par-dessus. Surtout que lui, il va bien ficher la course d'avant. On va faire un petit tour dans les sous-sols. Voilà, rochette. Ouais, certains personnages, enfin certains piétons, ils rapportent plus de bonus que d'autres. En termes de crédit surtout. Faut remarquer ça. Là, hop, on va dans les égouts, enfin ce qui ressemble à des égouts. Ah, un mi-temps rouge. Ah, ça c'est pas bon comme mode. C'est mode pinball. C'est-à-dire que si je tape, là, ça rebondit. Dans ce niveau, le bonus pour avoir tous les piétons, je crois qu'il se trouve là. Sauf par là, je crois. Là, hop. Je me suis fail complètement. Je crois que c'est sous terre, faut aller là. Bien tombé dans le trou en fait. Pardon. Non, en fait c'était le truc jaune. Donc là on voit tous les piétons de couleur jaune. C'est les petits points jaunes sur la mini-map. Donc ça c'est tous les piétons. Ils sont situés. Donc ça c'est un bonus assez bien. Enfin c'est bien, assez efficace. Là on voit qu'il y a une belle brochette là dans le milieu. Mais bon, on va retourner dans la ville. Donc avec ce bonus là, ben c'est évidemment même plus facile de trouver les piétons quoi, de savoir où ils sont. Bien la différence d'adhérence entre la neige et la route. Hop. Ça va être bon de tous les écraser hein, quand même, ça se déjà essayer d'en avoir moins de sens, c'est pas mal. Parce que je le rappelle, hein, plus on a de crédit, plus on a de points à la fin du jeu, enfin à la fin du circuit. Donc si je veux passer au 8ème circuit, ce serait bien que j'en ai un maximum de points. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut écraser des piétons. C'est quand même, ça rapporte le plus de points. Donc à 100 crédits le piéton, faites le calcul hein. 100 x 500,
ça fait 500 000. C'est pas négligeable. 50 000 plutôt. Surtout n'hésitez pas à poster des commentaires, ça c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir, c'est de voir des commentaires pour savoir ce qui va pas sur mes vidéos. Hein. Donc là je sais que c'est un peu monotone. Donc, je mettrai peut-être une musique en fond pour cette vidéo, parce que là j'avoue que je parle pas énormément. Même la vidéo précédente là. C'est pas vraiment de la folie. J'essaie d'en écraser 200 et après je m'occuperai des deux derniers. Sauf s'ils me cherchent. Dans ce cas là, nous tournons. Je vais m'essayer. Je viens de remarquer que quand la voiture est abîmée, la direction aussi en prend un coup. Ouais, j'ai terminé les opposants. Ça fait un bon moment que je suis sur cette course. Un moment où il faut clôturer. Je pense que c'est le bon moment. Termine.
possible de me poster, ça serait bien. Merci. Immeuble. Allez, on va terminer. Hop. Question, comment il s'est retrouvé là? Il est fort, très fort. Il est très très fort. Ouais, je vais me le faire. L'eau. Time is of course. Bon, il est où? Non, c'est énervé. Il va crever, oui. Et voilà, c'est torché. Alors, comment je gagne 2 points? Ok. Petit Diablo pour le 8ème épisode. Salut!